J'ai espoir, mais ça fait plus d'un an maintenant que la situation est la même et qu'on ne nous apporte pas d'éléments nouveaux, qu'il n'y a pas eu de revendications, donc je garde espoir parce qu'il faut garder espoir, mais c'est tout. Oui, rassurant, il est sur le dossier, il fait ce qu'il faut pour obtenir leur libération. Mais on attend une revendication que, de leur côté, les ravisseurs bougent. Une des préoccupations majeures, c'était de savoir si nos otages étaient vivants et si on avait des éléments qui puissent nous rassurer sur ce point. Effectivement, le ministre nous a donné un certain nombre d'éléments qui peuvent nous rassurer sur ce point. Nous repartons avec de l'espoir, mais toujours avec la même angoisse de voir que mais le temps passe et ils sont toujours prisonniers au Sahel. Voilà. Au revoir. Au revoir, bon courage. Au revoir, merci.